Bonjour Daou. Bonjour Françoise, bonjour. Merci. Les Malouins dans la course. Merci d'accueillir les Malouins dans la course avec ce sourire qui nous, vous nous amenez le soleil. Vous êtes un vrai rayon de soleil, vous, dans la vie, j'imagine. Hein. Bah, j'essaye. En tous les cas, c'est l'impression que vous renvoyez, c'est l'image que vous renvoyez, d'autant que vous avez créé votre entreprise dans le pire moment de l'année. Racontez-nous tout ça. Alors, j'ai commencé l'activité avec le food truck en mars 2020, donc en même temps qu'une situation très difficile pour nous tous, parce que j'ai pris le temps avec mon conjoint d'aménager comme il le fallait l'intérieur de mon food truck chez Daou. Et donc, c'est un restaurant nomade éco-responsable où je travaille avec des producteurs locaux en circuit court, de préférence qui font du bio ou bien une agriculture raisonnée pour proposer des cuisines inspirées du monde entier, mais toujours avec des produits de saison. Alors, vous êtes extrêmement passionnée par votre métier. Vous avez toujours aimé la cuisine depuis toute petite? Ah oui, j'adore manger. Donc, à partir de là, j'aime beaucoup la cuisine. J'ai commencé, bien sûr, mon parcours un petit peu différemment parce que je suis ingénieure en nutrition santé. J'ai travaillé 4 ans en chef de produit avant de me lancer dans la reconversion professionnelle et du coup, de faire l'école de cuisine de Thierry Marx à Paris. Et j'ai peaufiné mon expérience à différents postes de la restauration à Saint-Malo. Et après, j'ai lancé ma propre affaire. Daou, c'est un plaisir de venir vous rencontrer. Et on imagine que votre cuisine et les plats que vous proposez sont à l'image de ce que vous êtes. Alors, par exemple, qu'est-ce que vous pouvez proposer? Alors, bien sûr, c'est toujours avec les produits de saison. Donc là, en ce moment, on a froid. Donc les entrées, ça va être de la soupe de légumes. Souvent je change, donc je travaille la blanquette de veau d'un producteur qui est à Trans-la-Forêt. C'est sympa. Je peux faire aussi du rougail au chorizo qui vient de la Biocoop. Je travaille tout le temps avec des légumes qui sont pleins de vitamines et qui sont formidables, qui viennent de la petite claie des champs qu'on retrouve dans le marché de Saint-Malo à Rocabay notamment. Donc voilà, ça change un petit peu au fil de l'inspiration. Alors question pratique. Alors on est ici sur le parking de la Biocoop à Saint-Malo où vous êtes chaque jeudi. Tous les jeudis midi. Voilà. Absolument. Alors si par exemple on est aujourd'hui mardi, j'ai envie de profiter des bons petits plats, je me débrouille comment? Rien de plus simple. Vous commandez en click and collect sur le site chezdaou.fr. Vous mettez commander, vous choisissez le plat que vous aimez, ça vous calcule automatiquement les prix en formule et vous venez récupérer votre plat tout chaud au camion sur le parking de la Biocoop l'Authentique qui est au niveau du rond-point de l'aquarium que vous trouverez très facilement et vous dégusterez ça avec grand plaisir, j'espère. C'est dans des emballages écologiques. Mais n'hésitez pas à venir avec vos propres contenants, vos tupperwares, vos petits bocaux en verre pour la soupe. Voilà. Et en plus, vous aurez une petite réduction d'un euro si vous venez avec vos contenants pour favoriser le zéro déchet. Et j'ai une carte de fidélité pour les gens qui viennent souvent. Au bout d'un moment, je vous offre des petits cadeaux, des boissons qui sont offertes. Voilà. Donc, alors, Daou, pour faire ça, vous avez besoin d'un sacré petit coup de main et nous, on est heureux de pouvoir vous le proposer, vous l'offrir. Vous avez besoin de nouveaux emplacements. Vous avez contacté la mairie de Saint-Malo, on les salue au passage, la mairie de Dinard, Saint-Père aussi. Hein, vous avez contacté notre ami Jean-Francis Richeux. Allez, il faudrait. Mignac-Morvan, vous aimeriez beaucoup vous installer. Il faudrait qu'on vous donne l'autorisation de venir vendre sur un parking, tout simplement. Voilà, en fait, moi, je demande juste quelque chose de très simple, c'est une prise électrique pour me brancher quelques heures, le temps de me mettre sur un emplacement et de proposer aux gens qui travaillent et qui n'ont plus accès au restaurant ou qui n'ont pas de restaurant d'entreprise ou de cantine, de pouvoir venir déjeuner et de leur faire aussi découvrir mes plats, ma passion, mais aussi les producteurs avec lesquels je travaille.
Écoutez, les Malouins dans la course ont souhaité, souhaitent cette année leurs vœux de meilleure année, d'une année chaleureuse, d'une année solidaire et d'une année entreprenante. Alors c'est bien tout ce qu'on peut vous souhaiter. Merci. Et on remercie déjà par avance tous ceux qui vont pouvoir vous donner le coup de main de la création d'une jeune entreprise. Vous êtes courageuse et vous êtes un vrai rayon de soleil. Merci Daou. Merci. Merci. Et bonne année. Et bien vous aussi. Au revoir. Au revoir.